Salutations chers gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'une brioche au chocolat et à la banane. Pour cette recette, nous avons besoin de 6 bananes, de 250 g de chocolat noir à 65% de cacao, de 3 œufs, de 30 cl de crème liquide, d'un petit peu de beurre, d'une brioche allongée artisanale et de 100 g de sucre. Je commence cette recette en découpant la brioche en 4 tranches dans le sens de la longueur. Ensuite, ces tranches, il faudra bien vérifier qu'elles rentrent dans votre moule, donc n'hésitez pas à couper les contours, voilà, pour que ça rentre. Si vos tranches sont un petit peu trop épaisses ou peu épaisses, ce n'est pas grave. Et si elles se découpent non plus, c'est pas grave, puisque de toute façon ça va être une sorte de millefeuille et ça va pas du tout déranger pour la suite de la recette. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je découpe simplement les bananes en deux dans le sens de la longueur. À côté de ça, je vais réaliser une ganache en faisant bouillir 10 cl de crème liquide. Une fois qu'elle est bouillie, je peux rajouter mon chocolat afin qu'il fonde et surtout en dehors du feu. Je réalise ensuite une sorte de crème qui va me permettre d'arroser la brioche afin qu'elle soit moins sèche. Donc je mélange les œufs avec le sucre et le reste de crème. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à monter mon dessert. Donc, je dispose une première couche de brioche que je vais arroser avec ma préparation crème, sucre et œufs. Puis, je vais déposer deux bananes que je vais recouvrir de chocolat. Puis, je vais recommencer avec une tranche de brioche que je vais arroser. Je vais recouvrir deux bananes et de chocolat. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients. À côté de ça, j'ai fait préchauffer le four car la brioche va être enfournée une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous a plu. Elle m'a coûté environ 9 euros et correspond à un dessert pour 8 personnes. Voilà, donc globalement, pour vous donner mon avis, c'est un très bon dessert, mais un peu bourratif quand même. Donc plutôt réservé pour l'hiver, je pense, ou alors faire des tranches très très fines.
Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt!